attention, attention. Ouais, on attend surtout l'accès. On reste bien sur le côté, s'il vous plaît, pour libérer l'accès. Allez-y. Ouais, allez-y, allez-y, on se retrouve après pour la déambulation. Un peu de temps, s'il vous plaît. Moi, c'est le calendrier, c'est de déposer ce qu'on a dit il y a 4 ou 5 semaines, d'avoir un texte de loi qui va dérouler, de simplifier, et je me fous d'une adjoint. Il y a des élections européennes, c'est très bien qu'il y a des élections européennes, et chacun s'exprimera. Et par ailleurs, moi, je travaille pour le reste, j'étais hier à Bruxelles, je suis allé, le sujet, c'était quoi les élections européennes, hein. Le retournement des prairies, le machin, la plage vachère. J'ai dit justement, je voulais que tout ça soit réglé avant les élections européennes. Après, je sais comment ça se passe. J'aimerais bien que vous me considériez comme des parce que j'aime pas ça. Le président de la République a dit des choses qui sont majeures à notre sujet. Et on a été dans la construction et on est uniquement des élections européennes. On est là juste pour les sujets et les agriculteurs. Je suis contente de vous l'entendre dire et vous, c'est l'année de demain. Mon sujet, c'est les agriculteurs. Non, je suis l'agriculture. Ça n'a pas vu les sujets européens sur l'important. Mais bien sûr, évidemment. On n'a jamais dit un problème. Je sais pas, vous avez dit l'inverse, c'est le sujet avant grand plein sur le contexte. À bientôt. Oui, bientôt. On sera très bien. Oui, non, non, ce qui ne sera pas, mais on est là, hein. On est là pour porter des solutions techniques. On a pas mal avancé au niveau n'hésitez européen. Pas, n'hésitez pas à nous questionner, n'hésitez pas. On répond à chaque fois. Et on est là parce que les situations sont graves, sinon on serait chez nous en train de travailler. Mais je sais bien. Vraiment. Mais je ne croyais pas penser... C'est pas une partie de plaisir d'être là depuis autant de temps, depuis un mois. Mais je sais bien que vous préférez être là. Exactement. On a plutôt avancé au niveau européen. Il faut qu'on avance, on attend des vraies mesures et ces plans de trésorerie d'urgence pour les travailler à midi, là, pour accompagner les mesures qui ont été annoncées, qui on espère seront mises en place. La simplification passe aussi par arrêter de nous demander de recenser des choses, de renvoyer des choses vers les ministères. Vous avez déjà connaissance de tous les dossiers, maintenant vous n'avez plus qu'à déployer. Nous demander sans cesse d'alimenter des... Pendant quel domaine on met un plan d'urgence en route sur la maladie hémorragique, c'est bien qu'on échange avec vous. Exactement. Ça permet de calibrer quand même, c'est pas mal les alertes. Mes représentants nationaux ont parlé des sujets de l'eau ce matin avec Gabriel Attal. Là-dessus, vous connaissez absolument tous les dossiers qui... Vous savez qu'il faut remonter, mais qu'il faut accélérer. Voilà, vous les connaissez tous. Ça marche. Merci. Merci. Attention, la voix, s'il vous plaît. Salut. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Duc. Bonjour. 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 On a échangé là ce matin avec les organisations syndicales, dont Madame Le Floch et votre syndicat. On a fait un point sur. On a fait un point sur tous les sujets, sur ce qui a avancé, sur ce qui doit encore avancer, sur ce qui reste à clarifier. C'est important. Voilà, qu'on puisse toujours continuer à se parler, évidemment dans le respect des règles, de l'ordre public, je pense que c'est le plus important. C'est un amalgame. Il y a quelques points particuliers qu'on souhaitait livrer immédiatement. Je sais que vous avez des rendez-vous cet après-midi, des collaborateurs avec des banques, notamment les trésors. Nous avons rencontré Bruno Le Maire hier après-midi. Nous avons mis du temps pour le fait là et on vous en remercie. Il y avait certainement des dés à tout bonifier, parce que sinon on va passer encore une fois à côté de quelque chose. Non, mais je te coupe même pas. En place, et on va passer à côté de l'essentiel. Compulsiter tout le monde, donc aider les plus en difficulté, aider par ses prêts à trouver une question qui le souhaite, ceux qui ne souhaitent pas de faire des reports d'annuité, parce qu'ils
peuvent aussi ne pas avoir envie de se charger, ils peuvent avoir simplement envie de pouvoir faire des reports d'un vote qui pourrait les soulager uniquement. Laisser le choix aux agriculteurs, les deux options, ce qui va aller bien à l'un ne va pas aller bien à l'autre. C'est important d'avoir ce choix. Et aujourd'hui, a priori, vous voulez faire du recensé. Je pense qu'ils vont essayer de ne pas trop faire autant là-dessus. Mettez en place peut-être une loi ou un plan qui soit ouvert à tout le monde. Et tous les agriculteurs qui en auront besoin, vous inquiétez pas, ils viendront le voir et vous verrez qu'il y en aura beaucoup. D'abord, merci de venir parler. Je suis conscient, on en avait parlé, madame, dans son bureau il y a 3 semaines, ou un mois. Voilà, 31 janvier. Je suis conscient qu'il y a des agriculteurs, qui sont un certain nombre, qui sont en grande souffrance, en détresse, en très grande difficulté. On a parlé, mais il y a un certain nombre d'exemples. Ce qu'on a dit avec le président de la République samedi, ce qui a été redit par Bruno Le Maire, c'est qu'il faut qu'on arrive à faire du surplus. Des prêts à taux bonifiés. Il y a 2 milliards de prêts garantis par l'État à taux bonifiés qui ont été prévus dans le budget là pour 2024. Au départ, ils sont prévus pour l'aide à l'installation. Ce qu'on a dit, c'est qu'on était prêts à les faire évoluer pour que ça puisse accompagner des agriculteurs, des éleveurs, au-delà de la seule question d'installation. Est-ce que ça sera la réponse pour tous les problèmes de tous les agriculteurs? Je ne suis pas sûr. Comme vous le dites, chacun a des solutions qui peuvent être plus appropriées. Est-ce que c'est un report de charge? Est-ce que c'est de l'étalement? Est-ce que c'est un report d'annuité? C'est ça qu'on veut regarder. Donc sur le recensement, je vous rassure, ça va aller assez vite parce qu'il y a les préfets, mais on a aussi les directions départementales des finances publiques. On voit assez bien quand une exploitation a accumulé des dettes fiscales ou sociales, on voit qu'elle est en difficulté. Le recensement, il va se faire assez vite. Ensuite, pour moi, le sujet, c'est la réponse. Ici, il faudra mobiliser la banque pour obtenir un report des annuités. Ici, il faudra mobiliser au contraire l'État ou les organismes de protection sociale pour obtenir un étalement des charges. Au niveau des députés, ici, il faudra mobiliser un prêt bonifié. C'est ce travail-là qu'on arrive à faire. Et là, il faut que vous aidiez aussi. Parce qu'en tant qu'organisation syndicale, vous êtes aussi un interface des agriculteurs. En fait, le problème, c'est que vous avez. On va ouvrir la table. Au niveau parlementaire, vous avez des groupes politiques. Les groupes politiques eux-mêmes sont souvent un peu colorés par les nationalités des députés. Thank you.
Thank you.
Bon, allez, bravo, Rayet. Okay.
c'est bon. Attends, une chose peut-être. C'est 365 jours par an. Et vous faites qu'elle est prévue pour cette année pour s'organiser ce qu'on appelle le crédit en placement, etc. Mais ce que je comprends, c'est qu'on se passe. On a beau mettre en place des aides pour faire remplacer, si vous n'avez pas quelqu'un de confiance, c'est qualité pour se remplacer. Vous avez trouvé son bon. C'est vraiment bouche à oreille familiale. Et bon, ça c'est un résumé. Merci de vous aussi. Les conditions de travail, les éleveurs, vous savez pas réflexion, les éléments, les remplacements, on a beau mettre les éléments. Il n'y a pas de remplacement. Qualité d'inscription. Il faut voir si on arrive pas. Parce que si ça me fait trop cher, un impôt à la transmission, je pense déjà en ayant des dettes. Et je ne suis pas garanti sur mon revenu, c'est ça le sujet. Donc là, on va prendre les mesures fiscales, on va payer les sols, on travaille aussi à un très bien d'impôt, on prenne des mesures pour faciliter les montages, les installations et la transmission. On a voté 2 milliards d'euros de prêts via la marque des territoires. Oui, garantie. Mais sur l'autre, pour l'autre, parce que là, les jeunes, maintenant, je prends 5. Est-ce que j'aime ça? Un, on a 2 milliards de prêts, on n'a pas garanti le débat. On a dit, c'est travailler là pour développer. Deuxième chose, on a beaucoup de crédit mutuel qui arrive, et je fais des années, c'est le dernier mot. Avec les prêts à 0, les prêts à 0. Là, c'est déjà plus facile. Mais oui, c'est ça nécessite. Il y a eu des fraudes. Non, ça dépend des cas. Non, ça ne doit pas aller. D'ailleurs, là, on a augmenté les coûts.
a eu des sanctions qui ont été très fortes. Ce qui montre que si quand on augmente les contrôles, on a plus de sanctions, c'est qu'il y a pas été très fort. Là, on va garder le vote. Même lui, quoi, c'est fort, c'est les contrôles. Deuxième chose, enfin, clarifier les choses sur ce qu'on appelle origine. Et là, on a eu une victoire. Il y a le produit, il y a l'intérieur. C'est ça. Mais là, on a eu une victoire sur le miel. Il y a quelques semaines. C'est parce que c'était un des combats de politique. Alors, on disait que ça ne marchera jamais au niveau de l'économie. On l'a obtenu sur le miel. Maintenant, on va l'obtenir sur le reste. Et trois, la ministre de la consommation, Olivia Grégoire, a annoncé une animation pas sur l'économie. L'origine score. Donc, on a mis les scores maintenant. Là, c'est pour les produits transformés qu'on puisse avoir une mesure de transparence sur les produits sur l'origine. Parce que quand les gens achètent leur produit de lait, voire sur le dos et l'eau. Du coup, si elle est stipulée pour cette enfant, des plats préparés. Mais même, je veux dire, même des mozzarella, etc. En fait, c'est très difficile. Donc là, et donc là, si vous avez sur le transformé en transparence sur le réel, après ils ont plus confiance. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est venir même les soins. Oui, la dernière prière, j'ai été ça. Attention, les gens qui vont se faire bousculer là.
Il y a des personnes âgées, etc. On les stoppe, s'il vous plaît, c'est pour les... On les stoppe là, voilà, merci. Caméra de poule. Merci, stop. Il y a plus de poule, voilà. Quelques solutions. À gauche, à gauche. Ça, c'est pas le cas en France, mais on a eu le cas. Allez, t'en toi une vie. Je vais regarder parce que tout on a un gros travail sur la justice de manière générale. Ouais. Je regarde. Dans toutes les sphères. Merci. Tu veux de ma carte? Là, je parle de glyphosate, même en général, c'est nécessaire. Comment vous pouvez dire qu'en pleine crise, on met en pause le plan agriculture et que c'est la solution et que par rapport à la retraite des agriculteurs qui est en dessous du SMIC. Merci de Loire, à côté entre Bretagne et Saint-Lô.
Je vois bien, ouais. Bon salon à vous. Merci. Merci. Allez, ciao. T'as quel âge ? 14 ans. Thank you.
Et la filière de cacao de Martigues, le... Je voulais que la présidente soit avec moi. Elle est assez marquée. Merci pour votre soutien. Mais vous le méritez en tous les cas. Vous dire les choses. Bah, c'est possible. Non, mais ça fait chaud au cœur, c'est pas toujours facile. Non, mais je me doute. Vous n'avez pas la bonne place. On est là. On est là. Vous avez rien pour vous.
Voilà, il était tout le cela, il y a jamais de formation, même s'il y a une bonne solution à la dernière. C'est clair, c'est le point de vue. C'est vraiment très important. Le vieillissement de la réforme, il reste toujours en place. La connaissance de la communauté, à la matière de l'économie, et un gain de point d'affaires. Ah, c'est Pierre. Tu vas bien? Voilà. Voilà. Ah, mais moi aussi, je suis content, mais tu peux pas dire ce que tu ressens. Donc, merci. Vous voulez jouer, madame? Le salon de l'Olysse est là. Bonjour. Oh,
Christelle. Donc, axé sur la loi de transformation. Oui, effectivement. Bon, on va être vraiment isolé, comme vous savez. Ah. Donc, il est. Avant, c'était pour 20 ans. Plus de 3 semaines, on est actuellement. On n'est pas prioritaire par rapport au chemin de la. Donc des fois, mais j'espère avoir l'occasion de venir vous voir. On espère que c'est un déplacement qu'il faut prévoir bien à l'avance parce que forcément c'est un déplacement. Mais en tout cas, j'espère. Avec plaisir. Je serai prévenu, j'espère avoir l'occasion. Avec plaisir pour vous accueillir. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci à vous. C'est bon, hein.